Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce sixième épisode de Little Nightmares. Et rappelez-vous, on s'était quitté juste ici, sous la vaisselle, j'ai envie de dire. Voilà qui est discret. Bon, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire le tour sans arrêt. Bah en revanche, je sais. Ah bon? En revanche, je sais pas trop ce que je dois faire dans cette pièce. J'ai pas vu d'objectif particulier. Ce qui m'intrigue un petit peu, justement. Oh là! Ah oui, on reprend très très loin. Alors oui, si vous venez d'atterrir et que c'est votre premier épisode, sachez que je suis un petit peu maladroit, mais très débrouillard. Alors bon, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Alors, on va chercher une sortie un petit peu discrète. Je sais pas du tout ce que je suis venu faire ici, par contre. Je vous propose de passer par ici. Pourquoi faire? Oh! Ah, mais cours! Il est où le trou? C'est bon, on est safe. Ah oui, par contre, c'est 1 sur 2. Mais qu'est-ce que je dois faire ici, en fait? Je vois plusieurs ventouses. Je vois une grande pile au milieu de la pièce qui doit vouloir dire c'est par ici. Mais en suis-je sûr? Non. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parte en full explo là-dessus. Voilà, on a des trucs à droite. Donc ça se passe pas du tout avec cette tour de vaisselle. C'est bon à savoir. Hop, on va essayer de pas marcher sur les assiettes pétées. Non plus. Mais alors qu'est-ce que je dois faire moi? Ouvrir cette poignée là, d'accord. D'accord. Ah non, attends, il y a ce truc là. Qu'est-ce que c'est? C'est une manivelle. Oui. Quelle serait mon implication personnelle dans le fait de déclencher cette manivelle? Tu vois? C'est là-dessus que je me pose des vraies questions. Ah. Alors là, s'il me met la main dessus, tu cheats? Non, tu cheats pas trop, ça va. Bon, alors on a déclenché des trucs qui balancent un machin. Qui sert à faire des bidules. D'accord, c'est les crochets. Donc il faut bien faire quelque chose avec cette montagne de lessive. De vaisselle, pardon. Mais quoi? Parce que je vois pas de moyen de monter. D'accord, c'est lui qui utilise la ventouse. Écoutez. Je comprends pas. C'est quoi ces trucs? C'est des couverts là? Il y a peut-être quelque chose à faire avec ce couteau. Ou avec cette ventouse. J'avoue que je sais pas trop à quoi ça me sert. J'ai l'impression que je peux pas l'attraper en fait.
On va se pencher un petit peu plus sur cette zone là. Ah ouais, on peut ressortir par là, attention. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est assez crade. Hein. Ah, on y est. Ils vont me balancer des trucs, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils vont essayer de m'intercepter. J'imagine. Ah! Non! Il va trop vite! Alors, qu'est-ce que... Est-ce que j'avais possibilité de continuer? Parce que, à mon avis, j'étais... Oh non, me dis pas qu'il faut tout recommencer. Non, c'est bon. D'accord. D'accord, donc il faut courir apparemment. C'est cool, c'est que genre, on a même pas une petite indication pendant un chargement ou quoi. Je me suis gouré dans les touches. Et voilà, on est mort. Jamais! Allez! Wouh! C'était chaud, hein! C'était bien chaud, messieurs, dames! Eh ben, on y est! Fuckers! Ah, ça fait du bien de se libérer un peu de toutes ces entraves que sont ces cuisiniers. La cuisine, trophée obtenu. Bon, j'imagine que c'est bon signe, on progresse. Ah, ce n'est pas une cinématique. Très bien. J'ai pas compris. On va recommencer peut-être. À mon avis, j'étais trop sur le bord. Voilà, ça doit être ça. Parce que là, tu vois, en théorie, dans mon esprit de gamers, là, je serais pas sur le bord. Et en fait, si. Dans un Rayman ou un truc comme ça, t'aurais aucune possibilité de tomber sur les côtés. Et ça n'aurait rien changé à la beauté de ce plan-là, hein, mais... disons que c'est un choix artistique, j'ai envie de dire. Waouh ! C'est vachement plus lumineux que d'habitude. Ça me réchauffe un petit peu le cœur. Quoique. Ils vont de bateau en bateau. Ah non, attends, ils vont d'un bateau plutôt propre à ce truc. Qui a l'air d'une géante carapace. Je continue de monter, hein, vous inquiétez pas. Très mystérieux tout ça. J'espère que vous m'entendez encore un petit peu. Eux là, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, c'est des masques. Il y en a deux avec des masques
et les autres sont juste très moches. Tous énormes. Alors pour le coup, ça me fait penser à Wall-E. Quand tous les terriens sont devenus énormes là sur des fauteuils. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Zouche. Zouche. Ok. J'ai de plus en plus de mal avec cette perspective. Qui pourtant devrait s'arranger avec le temps. Mais pas du tout. Aïe aïe aïe. C'est pas facile, hein. Allez, on y retourne. Peut-être que c'est le jeu qui fait de plus en plus en sorte qu'on doit voir cette perspective là justement. C'est beaucoup plus cylindrique. Il y a beaucoup plus moyen de tomber. C'est une hypothèse. J'aimerais bien savoir ce que ce jeu raconte. On m'a l'air d'être en Asie. En Asie. Ah, il y a la dame. Pardon. Il y a la prêtresse. Elle m'a l'air d'une prêtresse. Ou d'une princesse. Un peu méchante. Et du coup, ça me fait penser au voyage de Chihiro. Alors là, je te raconte pas si on tombe. Never stop. Do you have no more power? Ah, c'est agréable. Eh ben, moi j'ai mangé une soupe juste avant et... Du coup, ça me tente pas plus que ça, ce qu'ils font. Ah, mais il y a des tout petits pieds, c'est rigolo. Par contre, s'il me voit, à mon avis, il en veut quand même. Ah, quoi? Mais pourquoi? Très oppressant. Hein. Allez. Non mais elle y est presque là. Si je dois continuer à courir. Ça a l'air d'aller ici. Mais à quoi ça rime? Oh la vache. Putain, elle te mange les saucisses comme si c'était des crackers. Est-ce que ça dénonce notre société de consommation? Je ne sais pas. J'essaie de trouver des messages un peu... guillemets sensé. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur. Ok, il va falloir courir. C'est bon. À gauche. Non! Mais merde, pourquoi je suis si débile ?
putain, comment faut être précis. Alors que j'étais là. Non, non! Mais merde! Ça me pète les couilles, votre jeu, là! Putain, ça va être par ici. C'est ça? C'est par là? Ah non, mais là, ça passe. Ah ouais, mais je suis tellement mauvais joueur que là, c'était pas justifié en plus. Pourquoi genre là j'ai pas pu? Oui. C'est compliqué de trouver son chemin là. Ok. Heureusement que j'ai un petit peu de réussite. La musique est stylée. Oh, regardez ça, son tabouret est sur un jambon. Enfin, sur un steak. Tu arrêtes. Ah, donc toi t'arrives à faire des demi-tours comme ça. Furtive. Ok. Quelque chose me dit qu'il va falloir se barrer très très vite. Quel génie du mal. Je sais me cacher partout. Ok, c'est entre toi et moi ici. On doit monter à l'aide de truc. Zouche. Très bien compris moi. Est-ce qu'il revient? Est-ce que je l'attends ou... Ouah, au pire on a qu'une vie hein. On le saura bien assez tôt si c'est pas ce qu'il fallait faire. Même si ça m'a l'air toutefois d'être le bon chemin. Par contre c'est cool, t'es genre t'es observé aux toilettes. Ah d'accord. C'est pas mal. On a faim. Je suis sur le rebord. Et là, nous n'aurons plus qu'à tomber pour prendre l'ascenseur. C'est ingénieux. Je lui ai fait un slam dunk là. Et voilà. Par contre, on n'a pas réussi à se débarrasser des cuisines et du coup. Ah, ça faisait longtemps. Ça me réchauffe le cœur. J'ai eu un trophée. La lumière fut. Bon, ça c'est un couloir.
Ah, qu'il est dégueu. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'ils sont vilains. Je sais pas ce que je fais là. À part aller tout droit. Non, non, non. La 3D, la 2,5D. C'est ça que je critique, moi. Alors certes, il n'y aurait pas de challenge s'il n'y avait pas cette notion de profondeur, mais bon. Merde, quoi, j'y étais. Ça me fout les boules. Voilà. J'ai même plus envie de parler tellement ça me trigger ce genre de truc. Les autres fois j'ai même pas eu besoin de sauter ici. Oh bah oui, non mais là... Là je vais rien dire. J'adore ce jeu. Et vous? Allez. First try. Je ferme les yeux carrément. De toute façon, j'ai pas besoin de garder les yeux ouverts, c'est tout droit. Puisque c'est ça le jeu vidéo maintenant. Allez, tu sautes. Maintenant. J'ai un petit peu d'avance là, je suis pas trop mal. Je commence à bien connaître le chemin. J'ai mal au pouce. Ça va mieux. Et ben vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était très tendu là ces dernières secondes. Moi ça m'a bien plu en tout cas, malgré mon petit énervement, mais ça c'est normal, hein, c'est la passion. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez apprécié cet épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. À mon avis, on n'est pas très loin de la fin, ça doit être un jeu assez court, quoique. Hein, on est déjà à 6-7 épisodes, je sais plus exactement, mais ça commence à faire pas mal. Donc voilà, moi je vous dis à très très vite. Ciao!